Bon, eh bien, bonjour. Je suis content de voir qu'il y en a qui veulent savoir la fin de l'histoire et qui sont revenus. Je vais commencer aujourd'hui par quelques mots de présentation générale pour vous expliquer un petit peu la problématique et la documentation que j'aborde, parce qu'il n'est pas sûr que vous soyez tous au courant des festivités que je vous ai préparées. Alors, j'ai prévu pour ceux qui savent, et puis pour ceux qui ne savent rien du tout, donc qui abordent pour la première fois ce domaine passionnant qu'est la Mésopotamie. Vous savez que la Mésopotamie est restée dans la mémoire de l'humanité comme étant la civilisation des grandes villes. Bon, et c'est comme ça qu'elle a été connue, tout particulièrement à cause de Hérodote qui est allé raconter plein d'horreurs sur nous chez les Grecs qui en ont conservé le souvenir, et pendant des siècles, on a parlé de la Mésopotamie par Hérodote interposé. Et la Bible ne dit pas autre chose, naturellement, c'est toujours le même mythe qui apparaît avec la fameuse tour de Babel. Voilà, alors je vous la montre une fois, parce que je pense que vous l'attendiez, donc je vous la montre. Et vous voyez que c'est effectivement compris traditionnellement comme le milieu où tout se mélange. C'est ça l'étymologie que la Bible en a donnée, n'est-ce pas ? Tout se mélange, les civilisations, les races, les cultures, les langues, etc. Jusqu'à ce que la colère de Dieu tombe dessus et la chasse. Vous voyez que d'ailleurs que Babylone, il n'y a pas que la tour de Babylone, il y a aussi toute la ville aux alentours. Alors, pour vous montrer tout de suite l'envers du décor, vous savez que la tour de Babel a été retrouvée, qu'elle existe bien à Babylone, seulement c'est ça. Oh ben, ne riez pas, c'est l'endroit le plus sacré des Babyloniens, c'est là où théoriquement l'humanité a été créée et où les dieux ont modelé l'homme, n'est-ce pas ? Il y avait tous les vestiges de l'humanité la plus ancienne qui se retrouvait à cet endroit-là. Alors, on a retrouvé effectivement localement ce que la Bible appelait la tour de Babel, mais vous voyez, à l'heure actuelle, c'est une structure complètement ruinée. Le monde dont je vais vous parler, le voici. Ce sera le Proche-Orient, tout particulièrement au XIXe et au XVIIIe siècle, mais vous verrez que cette année, je vais essayer d'aller vers le premier millénaire quand même pour voir le complément de la documentation. Et dans ce Proche-Orient au XIXe ou XVIIIe siècle, je vous ai souligné les villes les plus importantes. Vous voyez que ça concerne à la fois l'Irak actuel et la Syrie actuelle, mais absolument pas la côte. La côte et la Palestine sont en dehors de notre propos. Et cela, de tout temps, au deuxième et premier millénaire, ils ont prévu une répartition extrêmement précise entre la sériologie et les milieux bibliques. N'est-ce pas ? Les deux n'interfèrent pas l'un avec l'autre. On les a séparés d'une façon extrêmement nette. Alors, je vous ai souligné les lieux les plus célèbres dont nous allons parler. Au sud, en irakien, vous avez Larsa, Babylone et Eshtouna, qui sont de part et d'autre de Babylone, et Kalatoum, qui est à côté d'Achour. Je n'ai pas souligné Achour, parce que à notre époque, c'est une toute petite ville et on n'en parle pas. Elle est très importante religieusement, mais pas politiquement. Alors, du côté de la Syrie, en revanche, eh bien, vous avez les trois grandes villes phares. Mari, naturellement, où on a retrouvé des archives d'une richesse incroyable et qui nous permettent de reposer le problème du discours historique pour tout le Proche-Orient. Et puis, vous avez Alep et Katna, où l'on commence un petit peu à retrouver des textes, mais pas d'une façon aussi spectaculaire qu'à Mari. Voilà. Alors, l'unité de tout ce domaine dans cette région-là, eh bien, elle repose avant tout sur l'emploi d'une écriture, qui est l'écriture cunéiforme. Alors, cette écriture cunéiforme, en voici une tablette qui vient de Mari, vous voyez, c'est quelque chose qui est... Alors, quand c'est très bien conservé, comme ça, il n'y a aucun problème de lecture. Naturellement, quand c'est mal conservé, eh bien, l'imagination supplée à la science.
et on espère qu'elle coïncide en bout de course. Bon, voilà comment ça se présente. Voici le genre de documentation à partir desquelles nous allons réfléchir. Et pour ceux qui viennent régulièrement me demander après, mais comment est-ce qu'on fait pour lire une langue aussi incroyablement difficile, je leur dis, c'est une des langues les plus faciles à apprendre. Hein, nos étudiants, au bout de 2 mois, savent, en gros, connaissent à peu près toute la grammaire, ce qui ne serait pas possible sur un domaine comme le grec, par exemple, où il faut quand même plusieurs années pour avoir toute la morphologie. En réalité, sur une langue comme le babylonien, au bout de 2 mois, si vous avez affaire à un étudiant normal, c'est-à-dire qui a travaillé, eh bien, il sait tout. Et comment est-ce qu'on le prononce? Alors, je vous réponds tout de suite, ne venez plus me le demander. C'est une langue sémitique, le babylonien est une langue sémitique, et je vous ai mis à gauche du babylonien, au milieu de l'arabe, de l'autre côté de l'hébreu, et puis vous avez le français pour vous aider. Et vous voyez que Aboum, c'est le père, Umum, c'est la mère, Achum, c'est le frère. Vous voyez, par la comparaison avec l'arabe et avec l'hébreu, c'est extrêmement simple. Bon. Dans la pratique, c'est plus difficile. Et bien sûr, il y a une spécificité du babylonien, mais en réalité, dans une langue sémitique, il y a énormément de ressemblances, et je vous ai pris l'arabe classique, vous voyez, par la nounation, ou bien l'hébreu classique, parce que ce sont des langues archaïques et qui, naturellement, coïncident très bien avec le babylonien, qui est une langue archaïque, puisqu'elle... C'est avec elle que l'histoire commence. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Eh bien, nos ancêtres, à la fin du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, ont fait les comparaisons qu'il fallait pour qu'on sache prononcer cette langue et qu'on arrive à la comprendre. Alors là, voilà, vous avez un exemple. Alors, j'ai naturellement pris les exemples les plus simples. Bien sûr, il y en a de plus difficiles. Mais ça vous donne à peu près le moyen de comprendre comment on peut prononcer cette langue. Voilà. Alors, la syriologie, naturellement, a déjà derrière elle tout un très long passé. La langue a été déchiffrée vers le milieu du XIXe siècle, donc il y a maintenant plus d'un siècle et demi à notre disposition de gens qui ont travaillé, et en général très bien travaillé, avec de très bonnes connaissances de l'hébreu et de l'arabe, naturellement, d'un point de vue linguistique. Et la langue est très bien connue. À ceci près que, à l'heure actuelle, l'énorme documentation cunéiforme que nous avons encore à notre disposition ne représente que le dixième, et même moins que le dixième, de ce que l'on pourrait espérer. C'est une énorme différence que nous pouvons avoir avec le monde classique. Dans le monde classique, la documentation est en gros entièrement su et on a quelques détails qui s'ajoutent grâce à l'épigraphie de part et d'autre, et on peut considérer que le corpus est clos. Chez nous, au contraire, c'est réellement la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg. Et quand on vous dit qu'il y a à peu près plus d'un million de tablettes qui ont été trouvées, qui sont conservées dans les musées, c'est un chiffre qui dépassait depuis très longtemps, et sur le million de tablettes conservées dans le musée, il y en a très peu qui ont été étudiées, et bien étudiées, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à reprendre. Alors, ce qu'il y a la plupart du temps, c'est qu'il y a plusieurs niveaux archéologiques sur les villes du Moyen-Orient. On trouve les premiers niveaux naturellement par ordre de fouille, et puis on arrive petit à petit au niveau des plus anciens. Donc on n'a pas à l'heure actuelle trouvé, par exemple à Babylone, qui représente une des villes majeures, on n'a pas encore trouvé le niveau dans lequel se devait vivre le roi Hammurabi. Le grand roi Hammurabi qui a détruit Marie, ce niveau n'est pas atteint. Dans des villes majeures comme Alep ou Katna, que je vous ai montré, la documentation archéologique ne nous donne pas les niveaux contemporains de Marie. Si on connaît ces villes, c'est grâce à ce qui a été retrouvé à Marie. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. D'autre part, il y a des sites célèbres comme Babylone, comme Achour, comme Alep, que l'on découvre petit à petit, mais il y a aussi à côté une énorme documentation inconnue de villes qui ont disparu dans l'Antiquité et que l'on est encore en train de redécouvrir et qui sont des surprises qui, tout d'un coup,
à la fin de l'été, quand il y a l'été que se passent en général les expéditions archéologiques, on apprend que dans telle région, on a trouvé une documentation nouvelle et quelque chose qui n'était absolument pas espéré. Et je vous montre deux exemples particulièrement typiques. En Syrie du Nord, si vous avez la chance d'aller à Alep un jour, eh bien, il faut aller voir Ebla, ce qui est à 40 km au sud, et c'est relativement assez facile de le faire. On a retrouvé une documentation pour le troisième millénaire qui éclipse entièrement tout ce qui a été trouvé dans le sud de l'Irak. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. On savait qu'Ebla existait auparavant, mais on la mettait en Anatolie. Alors, quelquefois, l'imagination ne coïncide pas avec la réalité. La découverte de Ebla a été une surprise absolument totale. On a découvert que le site était réellement là. Et ensuite, il y avait une documentation écrite au troisième millénaire, c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Et enfin, on a trouvé une documentation qui était infiniment plus riche que tout ce que l'on avait pu trouver pour le début du troisième millénaire dans l'Irak du Sud, où théoriquement, le cunéiforme est apparu. Et à l'heure actuelle, il y a une deuxième surprise qui nous apparaît, c'est dans la ville de Damas, cette espèce d'énorme agglomération humaine où on pense que le vivant a tué tout ce qui était ancien et que l'on ne peut plus rien trouver. Eh bien, petit à petit, nous apparaissent des textes qui permettent de faire le joint entre l'Est et l'Ouest. Ce sont des découvertes de l'année, si vous voulez, qui apparaissent comme cela. Et c'est un choc absolument complet parce qu'on croyait dans un domaine qui était complètement hors de la documentation. Eh bien, on voit des choses qui apparaissent de nouveau et qui, avec des noms de rois nouveaux, avec des institutions nouvelles, avec des choses de ce genre, et on voit tout un monde insoupçonné qui apparaît. Alors, qu'est-ce qui est la base même de la richesse de la syriologie? Eh bien, c'est le matériau particulièrement pauvre dont on s'est servi à l'époque pour noter ces archives. Les gens, en Mésopotamie, tout le monde, on vous dira qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sauf de l'eau et de l'argile. Eh bien, les gens se sont servis de l'eau et de l'argile pour former leur support d'écriture. Et vous avez vu une tablette tout à l'heure. On prend de l'argile, on la malaxe, on prend ensuite un calame et on écrit par-dessus, et ça fait quelque chose qui est indestructible. C'est-à-dire que si jamais le palais ou l'endroit où ce document est conservé flambe, ça fait four, l'argile brûle, mais si elle brûle pour toujours, c'est-à-dire qu'elle se conserve. Alors que dans l'Antiquité, normalement, nous ne comptons plus les bibliothèques comme Alexandrie ou comme Damas qui sont parties en flammes avec tous les trésors qu'il y avait à l'intérieur. Alors, lorsque l'on trouve des tablettes, voilà comment ça se présente. C'est dans la terre, tout est recouvert par de la terre, c'est dans laquelle les gens s'enfoncent à coups de piochons. Si vous avez des gens un peu trop vigoureux, les tablettes sont en mille morceaux, donc il vaut mieux arrêter la fouille et faire une fouille fine à ce moment-là en laissant quelqu'un qui n'est pas trop pressé découvrir les documents les uns après les autres. Là, ce que vous voyez, ce sont les archives de Marie qui apparaissent. Et si vous regardez tout à l'heure, si je reviens rapidement en arrière, vous montrez ça. Ça vient de là. Vous voyez, une fois que c'est nettoyé, c'est très bien. Alors, il y a des choses encore plus spectaculaire, c'est les archives des Blancs. On a retrouvé les archives des Blancs, elles étaient sur des étagères qui se sont écroulées, le bois a disparu, les tablettes sont restées, elles se sont un petit peu cassées en tombant, mais ça on les recolle, et voilà comment ça se présente. Et c'est justement la pérennité de ce matériau dont on s'est servi pour noter des archives qui ont fait que les documents, s'ils n'ont pas été détruits dans l'Antiquité, nous sont encore disponibles. Et c'est pour ça qu'on peut espérer, si la syriologie se continue et si les fouilles se continuent, avoir des documents par millions à un moment donné, alors que, en ce qui concerne le monde classique, eh bien, ce n'est pas pareil. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un saucisson, comme vous le montrez. Voilà, ça, c'est la documentation encore inédite pour l'époque classique. C'est ce que vous avez sous les yeux, ce qu'on peut appeler un des papyrus de Herculanum. Vous savez qu'il y a eu, à un moment donné, les cendres se sont abattues sur la ville, ont tué tout le monde, ont retour au couvert. Il y a eu une formation de tel comme en Mésopotamie. En Mésopotamie, quand on a fait flamber le palais, eh bien, les tablettes d'argile sont restées. Elles sont toujours disponibles. Là, voilà ce que ça donne. Ce que vous avez à gauche, c'est la forme en long, et la section, vous l'avez à droite. Bon, c'est un volumen qui a été complètement fermé sur lui-même. Le problème maintenant, c'est de le dérouler. Si vous le déroulez tel quel, vous allez avoir des miettes sur lesquelles vous allez avoir un alpha ou un gamma ou un delta, éventuellement trois lettres qui vont se suivre, etc. C'est le restant d'une grande bibliothèque d'un érudit de l'époque. Bon. Et à l'heure actuelle, voilà comment ça se présente. Le grand problème, c'est d'arriver à le dérouler et le photographier. Faites-leur confiance, ils arriveront un jour à le faire. Mais voilà, si vous voulez, comment ça se présente. Ou bien ça a flambé dans une bibliothèque comme Alexandrie, ou bien ça s'est conservé comme cela. Dans la terre, il y a des impuretés. Bon, il y a des tablettes, quand on les sort, ce sont des blocs de sel. Ce sont des blocs de sel, vous ne pouvez rien lire dessus. Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous prenez le bloc, vous le mettez dans de l'argile pure, vous le mettez au four. Ça, le jeu, naturellement, des différents... de la montée de la température et des différents constituants font en sorte que eh bien, le sel se... tombe petit à petit, et vous avez tout d'un coup, quand vous le retirez, une tablette merveilleuse qui ne pose aucun problème d'autre pour la lecture que celle de la science de celui qui la lit. Bon. Alors que là, naturellement, nos collègues hellénistes ou latinistes sont des gens qui sont extrêmement érudits, extrêmement forts, mais il faudrait vraiment avoir un don de deuxième vue, hein, ou bien avoir un ultra-regard qui pénètre à l'intérieur, n'est-ce pas, de la matière. Alors, la technique, naturellement, est là pour arriver à résoudre ce genre de problème. Voilà la grande différence, n'est-ce pas, qu'il y a entre l'extraordinaire richesse du monde mésopotamien et bien, la documentation, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, mais beaucoup plus rare dans le monde classique. Alors, l'envers du décor, naturellement, c'est que l'on est absolument submergé par la documentation en Mésopotamie. On est submergé par la documentation. Et à l'heure actuelle, vous comprenez que quand vous avez 100 000, 200 000 tablettes qui vous apparaissent dans un domaine, bon, il n'est pas question de les lire toutes dans une vie, parce que dans la journée, il y a 24 heures, et les 24 heures ne sont pas toutes autour du cunéiforme. Il y a des moments où il faut bien dormir et des moments où il faut bien faire autre chose que... Bon, le temps utile pour la science est mesuré. Bon. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la spécialisation, c'est-à-dire que les gens, en fonction d'une certaine sorte de philologie, se mettent à étudier une certaine sorte de texte en disant « ce voici mes textes, ceux auxquels je vais consacrer mon temps de recherche bon. ». Et ça, c'est ce que j'appelle l'aspect philologique. La philologie est une chose absolument nécessaire. On a besoin des philologues parce que c'est eux qui vont faire les éditions de textes et qui vont nous mettre à la disposition les documents sur lesquels on va pouvoir réfléchir. Et la philologie, eh bien, elle apparaît naturellement avec les premiers textes. Voilà un de ces premiers textes. Ils ont ceci de caractéristique, c'est que ce sont les plus anciens et qu'on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Les gens qui vous disent « Ah, à l'origine, c'est fait en idéogramme. Dans idéogramme, il y a idée, donc ce sont les textes les plus clairs et les plus simples à étudier. » Eh bien, ce sont justement des textes qui sont tellement obscurs que l'on n'est pas sûr qu'ils aient été écrits dans une langue que l'on connaît. Certainement pas du sémitique et peut-être pas du sumérien. Bon, ça, c'est des choses... Alors,
Ça, c'est le grand problème, c'est le grand problème de la Mésopotamie. À l'heure actuelle, il y a une chose absolument épouvantable dans l'histoire des sciences qui fait que l'on sépare ce que l'on appelle la préhistoire de l'histoire. Et on vous dit, c'est extrêmement simple, la différence entre la préhistoire et l'histoire, c'est que dans l'histoire, l'écriture apparaît. Et moi, je considère que c'est extrêmement amusant parce que si on savait la date précise, il y a des techniques qui permettent de plus en plus de l'envisager. Le jour où on saura la date précise de l'apparition du premier texte, on peut savoir, eh bien, au jour près, quand est-ce que la préhistoire a terminé. C'est-à-dire l'acte de naissance de Clio, en quelque sorte. Bon. Et ça, c'est une très, très vaste blague. C'est-à-dire que les gens qui séparent la préhistoire de l'histoire sont des gens qui parlent a priori sans avoir lu les textes et sans même connaître la documentation à la disposition. Parce qu'à partir de textes de ce genre, vous ne faites rien. La meilleure preuve, c'est que les plus anciens, je viens de vous le dire, on n'arrive même pas à les lire. On n'arrive même pas à les lire. Alors, ça, c'est la caractéristique de tous les textes pendant le troisième millénaire avant le Christ. Alors, quand les gens vous disent « l'histoire apparaît en 3200 avant le Christ avec le premier texte », je vous dis, là encore, faites attention, c'est une vaste blague. Pendant tout le troisième millénaire, vous avez des textes que petit à petit vous lisez de mieux en mieux, que vous comprenez de mieux en mieux, qui vous donne des informations très importantes d'un point de vue philologique, d'un point de vue onomastique, d'un point de vue toponymique. Vous avez toute une série de choses qui apparaissent, mais cette documentation est parcellaire, fragmentaire, elle est au niveau de l'information de détail, et à ce moment-là, elle n'est qu'un aspect de l'information qui s'ajoute à l'information archéologique ou à l'information archéométrique, c'est celle qui s'intéresse au reste que l'on a retrouvé dans les fouilles au point de vue animaux, hommes, humains, etc. Et c'est la convergence de ces trois approches qui font que l'on peut commencer à tenir un discours historique. Mais en aucun cas, pendant tout le troisième millénaire, on ne peut se servir uniquement des textes pour faire autre chose que de la philologie, ou bien d'instruire un dossier en disant l'histoire d'une famille ou une inscription historique, etc., dans laquelle il y a des choses, mais c'est ce que j'appelle des fragments de l'histoire. Alors, le grand avantage de se servir, de se situer au 19e, 18e siècle, comme je l'ai fait ici depuis que je suis arrivé dans cette maison, c'est parce que c'est le moment où il y a des archives suffisantes, tout particulièrement à Marie, pour pouvoir commencer à tenir un discours historique à partir de la documentation écrite. Voilà, et c'est là que l'on peut dire, un millénaire après l'apparition de l'écriture, que l'on peut commencer à envisager un travail d'historien à partir de la documentation écrite. Et je considère que si Clio est née, eh bien, elle a mis un millénaire à apparaître. Alors, je ne vous dis pas qu'on est bloqué là-dedans et qu'il n'y aura pas un jour une archive particulière qui va nous apparaître du côté de 2800 ou 2600 et qui permettra, j'en doute, mais enfin, on peut rêver, qui nous permettra de faire remonter le discours historique, mais sinon, on en est toujours un discours parcellaire et philologique. Alors, ce qui, vous me direz, pour le premier millénaire, pourquoi ne pas faire du premier millénaire? Eh bien, parce que pour le premier millénaire, nous avons là de grandes bibliothèques. On a de grandes bibliothèques. Les érudits ont réuni toute la science de leur époque. Et les rois ont demandé qu'on aille par la force chez les particuliers, prendre tous les livres qu'ils avaient, toutes les tablettes littéraires qu'ils pouvaient avoir, pour se constituer des fonds de bibliothèque. C'est comme ça que toujours les bibliothèques ont été faites, par des rafles chez des érudits. Et à l'heure actuelle, nous connaissons l'existence en Assyrie ou en Babylonie de tous ces textes. Bon, alors c'est quelque chose qui est
extrêmement précieux. On se dit, ben, il n'y a qu'à les lire et on aura à ce moment-là la vision que les gens avaient d'eux-mêmes. Eh bien, le problème, c'est que... Alors, voilà des exemplaires. Je vous en ai montré quelques-uns. Voici ici un commentaire sur des textes hépatoscopiques. Vous voyez ce que c'est, ces exemplaires de bibliothèque. Ce sont de magnifiques éditions de textes qui sont à l'heure actuelle, malheureusement, toutes incomplètes. C'est-à-dire que pour aucune des grandes œuvres de l'Antiquité, nous n'avons non seulement la totalité, mais même nous n'avons l'édition de tout ce que nous avons encore. C'est-à-dire que les éditions sont très lentes à venir et les érudits ont de grands problèmes à comprendre ce genre de texte. En voici un autre, un grand commentaire astrologique, là encore. Vous voyez, donc, en plus, il est, comme toujours, comme les grands documents, assez usé. Je n'ai pas beaucoup de désir, moi-même, d'avoir ce genre de choses à publier un jour. Il faut vraiment, c'est une épreuve pour les yeux absolument terrible que d'arriver à publier quelque chose de ce genre. Voilà. Alors, au premier millénaire, ben, c'est pas mieux parce que, d'abord, nous n'avons pas tout. Et puis ensuite, tout n'a pas été publié. Et puis, il faut dire d'autre part aussi une chose, c'est que quand vous avez passé un temps considérable à publier la série où il y a les commentaires hépatoscopiques, ou bien lorsque vous adressez aux commentaires où vous avez tous les calculs astrologiques et les tables de position des planètes, etc., il se trouve qu'en définitive, vous êtes devant une science qui n'a strictement aucun intérêt aujourd'hui. Parce que si vous voulez savoir où se plaçait Vénus ou Mercure en moins 616 ou moins 1400 avant le Christ, vous avez les moyens mathématiques de l'avoir aujourd'hui. C'est pas la peine de regarder des choses de ce genre. Et ce sont des disciplines qui sont relativement décevantes. Alors, pour mieux vous le faire comprendre, je vais vous raconter des déceptions que j'ai pu avoir moi-même. Voilà, vous voyez. Ce petit texte que vous avez, c'est un texte, quand j'étais jeune et que je travaillais encore, j'avais édité toute une série de textes du Louvre, qui étaient encore non publiés. Et ce que vous avez sous les yeux, j'espère que vous le regardez avec admiration, c'est une de mes œuvres. Copier ça, ça prend un après-midi complet. Hein. Ça prend un après-midi complet. Bon. Et j'avais eu la satisfaction de me trouver devant ce qu'on appelle un horoscope. Un horoscope, c'est quelque chose d'extrêmement rare à retrouver dans l'Antiquité. Ce sont des textes relativement tardifs. Et si vous le regardez, il se trouve que c'est le plus ancien des horoscopes qui existent au monde. Il n'y en a pas auparavant. Alors, si vous regardez la fin de la ligne 1 et le début de la ligne 2, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes... Ah, je sais, est-ce que je peux vous le montrer avec ça? Voici le nom de l'année. Ça, c'est l'idéogramme de l'année. Puis vous avez 10 et 3, donc ça fait 13. Ça, il n'y a pas de difficulté pour ça. Vous êtes l'année 13 de M. Darius. Ici, vous avez le signe d'art. Daria Mouche, c'est la façon dont on écrit Darius à cette époque. Ça date de l'année 13 de Darius, donc on est chez les Perses, c'est quelque chose de vraiment très tardif par rapport aux trois millénaires de la sériologie. Et là-dedans, cet horoscope, on vous dit qu'au mois de Tébet, c'est le mois de Tébet, c'est un mois qui existe encore, eh bien, pendant 1, 2, ça fait 24, le 24e du mois de Tébet, au moment où le soleil va réapparaître, donc c'est la fin de la nuit, pour le 25, donc dans la nuit du 24 au 25, eh bien, l'année 13, un petit enfant est né. Et puis, on vous raconte ensuite, on vous donne alors la position des astres, et on vous fait... l'horoscope, c'est-à-dire la position des planètes pour pouvoir dire, eh bien, qu'est-ce que cet enfant, qu'est-ce qu'il attend. Alors,
Naturellement, lorsque j'ai trouvé ça, je me suis dit, ben, c'est extrêmement simple, pour montrer l'évolution de la science, je vais publier le texte avec un commentaire fait par un mage moderne pour voir comment un astrologue actuel réagit par rapport à un astrologue ancien. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, je n'ai pas demandé à Madame Soleil, qui à ce moment-là était régnée sur les ondes, parce que c'est une dame qui s'intéressait beaucoup plus à l'aspect humain des choses que l'aspect scientifique, et je vais demander à un de nos plus grands mages, un de mes plus grands mages, en lui disant, voulez-vous m'aider à dire quel est le signe astral de cet enfant ? Il est anonyme, il n'est pas connu, mais c'était amusant de savoir comment, à l'heure actuelle, on réagissait par rapport à une chose actuelle. Et alors, vous voyez, il est né dans la nuit du 24 au 25 du mois de Tébet. Tébet, c'est janvier, février à peu près. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est né dans le mois du. Il est né en Verseau. Il est né en Verseau. Et alors le mage m'a dit à ce moment-là, c'est extrêmement simple. Bon, et bien écoutez, Verseau, c'est sous le signe de Neptune, Saturne, etc. Bon. Je lui ai dit, ben, là, vous parlez de choses qui sont inconnues pour les Babyloniens. C'était connu pour les Babyloniens, parce que les planètes, vous savez que les planètes les plus importantes à l'heure actuelle, dont le célèbre Pluton, est quelque chose qui est très tard venue. Alors, donc, il lui manquait ces planètes de référence. Et puis ensuite, l'horoscope s'intéresse avant tout à l'état du ciel, et il dit qu'il y avait plein de nuages qui passaient à ce moment-là. Il me dit, ça, je m'en fiche éperdument. Mais c'est pas bon. Les nuages, ce n'est absolument pas intéressant. Et c'est ça qui est absolument... je vous le montre d'une façon amusante sur un aspect d'horoscope, pour ne pas vous le montrer sur l'aspect mathématique ou sur l'aspect astrologique plus savant. C'est-à-dire qu'on est dans des sciences qui sont, à l'heure actuelle, dépassées par ce que l'on peut comparer à l'heure actuelle avec ce qui existe. C'est-à-dire que même dans une discipline comme l'astrologie, alors quand vous entendez les gens qui vous disent « Oh, l'astrologie actuelle, elle ne met ses pas dans la science antique », c'est encore une vaste blague, ne le croyez pas. Ne le croyez pas du tout, parce que la façon dont le ciel était compris à l'époque babylonienne n'a rien à voir avec la façon dont on le comprend de nos jours. Le soleil tournait autour de la Terre, etc. Et ce n'est pas comme ça que l'on pouvait réagir. Alors, c'est ça qui est un petit peu stressant, c'est que lorsqu'on regarde le troisième millénaire, on est devant des miettes d'histoire. Lorsqu'on regarde le premier millénaire, c'est beaucoup mieux construit, mais c'est très insatisfaisant. Les résultats auxquels on arrive sont des résultats qui n'intéressent personne, parce que même si on a le plus ancien horoscope, un des plus grands mages de l'époque m'avait montré clairement son manque d'intérêt. D'ailleurs, il n'a rien rédigé pour... Il m'a laissé seul face à mon texte avec mes problèmes philologiques. Hein, bon. Il est bien évident que vous comprenez pourquoi quelqu'un comme Jean Bottero, un jour, avait fait une conférence qui s'intitulait La sériologie, deux points, apologie pour une science inutile. Il l'a fait en Belgique, remarque. Bon, ça limite les dégâts. Mais c'est quand même, c'est un petit peu agaçant pour un assyriologue de se voir contraint pour le troisième millénaire à faire de la sériologie, de faire uniquement de la philologie, et pour le premier millénaire d'arriver à des résultats où on vous dit. Quand vous avez fait une grande édition d'un herbier, quelles sont les plantes ? Ah, je ne sais pas. Il y a des étymologies avec l'arabe et avec l'hébreu. Mais, alors, l'hébreu talmudique, bien sûr. Mais ça ne coïncide pas. On sait que c'est une plante, c'est tout. Mais bon, ça ne suffit pas, vous comprenez. Bon, et là, c'est pour cela que
il faut choisir des périodes et que Marie représente une chance absolument incroyable de pouvoir enfin connaître la société, les gens, leurs heures et malheurs, un petit peu leur carrière, un petit peu leurs espérances, un petit peu leurs accès de rage, etc. Parce qu'il y a derrière des lettres et que ces lettres, elles apportent infiniment de chair et de concret à tout ce qui manque aux autres histoires. Donc, vous voyez que nous avons à l'heure actuelle énormément de textes, mais que dedans, il faut choisir, et tout particulièrement choisir son époque et sa problématique. Alors, j'avais un jour, ça ne plaira pas à tout le monde ici, mais je m'en excuse, invité un de mes grands collègues scientifiques à venir nous parler des textes mathématiques babyloniens, n'est-ce pas? Et son exposé avait consisté à tout ramener à un langage moderne, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dépassé dans son exposé eh bien, les équations les plus simples possibles. Tellement simples que j'envisageais même de les résoudre moi-même. Non, vous voyez que c'était à un niveau relativement très très simple. Et il est bien évident que ce n'est pas possible parce que là, on a affaire à une grande civilisation dans laquelle il y a eu de grands calculateurs, des gens qui ont été de grands arpenteurs, des gens qui ont fait de grandes constructions, des gens qui ont repéré beaucoup de choses dans le monde, particulièrement qui ont terminé par une astrologie qui était quand même relativement sophistiquée. Et on souffre du fait que les textes mathématiques babyloniens que nous avons, ce sont des problèmes avec une solution, mais il n'y a pas le raisonnement. Il n'y a pas le raisonnement. Et à l'heure actuelle, il est bien évident que, d'un point de vue d'historien, ce qui est important tout particulièrement, ce n'est pas le résultat du problème, parce que ça, on a les moyens de le faire par ailleurs, et mon collègue l'énonçait d'une façon extrêmement simple par une équation. C'est de savoir comment ils raisonnaient et comment ils arrivaient à des solutions de ce genre. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement qui n'était pas du tout abordé par ce collègue que j'avais invité. Alors, ce qui est important, et c'est là où j'en arrive à un moment crucial de mon exposé, et c'est que il ne faut pas juger le niveau de la société mésopotamienne par les résultats obtenus. Et il ne faut surtout pas situer cette civilisation dans une vision qui serait « on part des origines et on arrive à nous ». Disons, on en est à un moment de la civilisation, et cette civilisation est dans son enfance. Bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tricher en sachant tout ce que nous avons compris après grâce à eux. Il faut prendre cette civilisation avec sérieux et se mettre au même niveau qu'eux et essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus me trouver quand je tenais des discours par rapport à la religiosité de l'époque en me disant « mais tous ces dieux n'existaient pas », je leur ai répondu chaque fois avec autant d'un succès auprès de chacun de mes interlocuteurs « ils n'existaient peut-être pas, mais eux y croyaient. Êtes-vous sûr ? » ?»« Mais oui, bien sûr, je suis sûr qu'ils y croyaient, n'est-ce pas ?» Et il faut se situer chaque fois au niveau même du vécu de ces gens sans essayer de le dépasser et de le juger par rapport à nous. Alors, j'ai été extrêmement content de voir que, par exemple, tout dernièrement, nous sommes réunis dans une université de province pour faire passer une habilitation à un de nos jeunes chercheurs qui, au lieu de ramener les mathématiques à un niveau actuel en essayant de les démonter mathématiquement, eh bien, à essayer de voir quelles étaient
la florescence des cultures scientifiques qui pouvait y avoir de par le Proche-Orient et de montrer qu'il y avait une diversité qui était à peu près égale à celle qu'il y avait en Europe avant que le système métrique ne s'installe. Hein, bon. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ça s'appelle donc « Déchiffrer des hommes ». Et le titre lui-même est un titre qui est extrêmement révélateur, c'est-à-dire quels sont les hommes de l'époque qui se sont servis des mathématiques pour faire quoi ? Voilà. Alors, il est bien évident que si vous mettez ce niveau-là par rapport aux Grecs et par rapport à tout ce que nous avons su maintenant, surtout que nous en sommes à des ordinateurs, vous comprenez, bon, il est bien évident, vous avez une humanité balbutiante. Vous avez une humanité qui est faible, une humanité qui ne sait pas grand-chose. Mais si vous regardez la façon dont il jongle avec les différences d'étalons, les différences de poids et des mesures qu'ils peuvent avoir au moment où les biens arrivent d'un endroit et passent à un autre, il se pose des questions de la réalité du commerce, de la réalité du stockage, de la réalité de la distribution, etc. Et là, vous voyez réellement une civilisation qui existe et qui s'est donné un outil pour ces différentes manipulations. Et il est bien évident que depuis, le calcul a été effectivement très amélioré. Alors, c'est pour cela. Maintenant, je vais passer à un niveau plaidoyer pro-domo. Bien sûr, c'est pour cela que depuis 2 ans, je regarde avec vous le problème de la divination babylonienne, mésopotamienne plutôt que babylonienne. Alors, et j'ai refusé de le prendre comme l'activité d'une humanité dans son enfance. Avant la soi-disant grande découverte du monothéisme occidental. Voilà. Et du prophétisme avec lequel Dieu parle par la voix de ses prophètes et vous dit ce qu'il faut faire. J'ai refusé de prendre cela et j'ai voulu me situer à un endroit où la divination existait. Et elle existait comme un des piliers de la vie politique et de la vie sociale. Et à l'heure actuelle, vous avez le discrédit qui s'ajoute à ce genre de choses. L'incrédulité ambiante ou la crédulité de ceux qui vont trouver des gens qui font de la divination, etc., qui leur donnent les chiffres avec lesquels ils vont gagner au loto, ou bien qui vont leur dire si les choses vont aller mieux ou moins bien, etc. Bon. Et ça, c'est une affaire moderne. C'est une affaire qui nous concerne chacun d'entre nous dans la façon que nous avons de prendre les choses. Mais dans l'Antiquité, lorsque l'on regarde comment les choses fonctionnent, la divination a beaucoup plus d'importance que l'écriture dans la fabrication de la notion de communauté, donc de l'État. Quand vous écoutez les gens vous dire « Oh, la notion d'État, elle apparaît à partir du moment où l'écriture apparaît », il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que c'est un théoricien qui va vous tenir un discours extrêmement important, bien construit, mais qui n'a pas vu des documents anciens. Ça, c'est absolument sûr. En réalité, la notion d'État s'est construite autour de la notion de groupe, des notions d'interaction de l'un par rapport à l'autre, etc., dans lesquels la divination a joué un rôle essentiel. Et elle a permis une approche de la notion de temps et la façon de se représenter les rapports entre la personne et l'autre. L'autre étant en l'occurrence compris comme la divinité qui décide du sort individuel. Et ça, c'est un phénomène historique qu'il faut prendre tel quel et voir comment une société a fonctionné avec ça, sans le rapporter à autre chose. Et moi, je vous dirais personnellement que je considère que la divination à l'heure actuelle, celle qui existe sous des formes absolument multiples, c'est un héritage qui reste d'une des plus vieilles activités de l'humanité. Hein ?
un héritage qui a été transformé par toutes les connaissances qui se sont ajoutées petit à petit grâce aux techniques que nous avons développées. Alors, il était désormais extrêmement intéressant d'essayer de voir comment les choses se passaient à l'époque la plus ancienne où l'on peut saisir la divination. Parce qu'on ne peut pas saisir la divination au troisième millénaire. Le troisième millénaire, elle est absolument inconnue du côté irakien. Elle est déjà, c'est un phénomène syrien qui est très bien connu à Ebla. Seulement à Ebla, on nous parle d'autre chose. Et ce, les archives du palais ne nous parlent. Ils nous disent qu'il y a des divinations, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On n'a pas beaucoup de renseignements dessus. Alors, je dis, il était très intéressant de voir comment, à la plus ancienne époque, cette conduite majeure dans la création, pour la création du fait humain, la façon dont l'homme a réussi à se définir petit à petit lui-même par rapport aux notions d'autres et à devenir ce que nous sommes à l'heure actuelle, se présentait. Et on a vu qu'il y avait un mouvement qui était double. On regardait sur un foie d'animal les raisons de dire si oui ou non les choses allaient bien se passer, mais en même temps, à côté, en même temps, il y avait quelqu'un qui prêtait sa voix à la divinité et qui faisait que la divinité commentait ce qui avait été constaté sur le foie. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'à l'origine, divination et prophétie ne sont pas séparées. Elles sont ensemble. Alors, c'est là qu'il y a un grand problème, c'est que quand les choses apparaissent, les choses les plus anciennes apparaissent, ça ne veut pas dire que ce soit les plus archaïques. Le moment où on saisit quelque chose peut être le moment où la chose disparaît. Et on peut rêver qu'un jour, on aura une documentation plus ancienne qui nous permettra de remonter. Au premier millénaire, on voit, et c'est ça que nous voyons, qui jusqu'à présent a court-circuité absolument toutes les études, et qui a empêché la progression des études, on voit qu'il y a une opposition extrêmement nette entre l'est de la Mésopotamie et l'ouest de la Mésopotamie, au premier millénaire. On voit que, et elle semble absolument irréductible, du côté de l'est, vous avez une science de la divination qui s'est constituée d'une façon autonome. Elle est devenue autonome. C'est-à-dire que les gens ont à leur disposition une série de manuels ou de grimoires, appelez-les comme vous le voulez, dans lesquels ils lisent la réponse aux choses qu'ils ont constatées. C'est ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte une attitude scientifique. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose, ils se reportent à l'heure actuelle, ils se reportent à un ouvrage qui est indépendant, et ils lisent un résultat. C'est-à-dire qu'ils ne fabriquent pas leur résultat en disant « je constate telle chose et ça veut dire telle chose parce que je suis inspiré pour vous dire telle chose ». Voilà. À ce moment-là, vous avez c'est ce qu'on appelle l'aspect scientifique, c'est-à-dire que vous pouvez prouver pourquoi vous dites cette chose. Vous ne le dites pas motu proprio, mais parce que vous avez une autorité à côté que vous citez. Voilà. Ça, c'est une chose très importante. Et du côté de l'Ouest, eh bien, vous avez quelque chose de tout à fait différent. Vous avez quelqu'un qui est envahi par ce qu'on appelle l'enthousiasme, c'est-à-dire que la divinité rentre en lui. Théos, ça signifie la divinité. La divinité entre en lui et à ce moment-là lui fait parler. Et du côté de l'Est, c'est une conduite, cet enthousiasme n'existe absolument pas, et même on s'en méfie. Si ça arrive, on s'en méfie beaucoup. Et du côté de l'Ouest, la conduite divinatoire, eh bien, elle est le fait des païens et elle est le fait des faux dieux.
Et vous avez, il n'y a qu'à ouvrir la Bible pour savoir que les devins, les gens qui prédisent à partir des rêves, à partir des étoiles, à partir du feu, etc., ce sont des gens qui sont des hableurs. Il ne faut pas leur faire confiance. Voilà, ça c'est quelque chose qui est absolument. Et vous avez une opposition, irrémédiable. Alors, voilà comment ça se présente du côté de l'Est. Voici une maquette de foie. Alors, vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous avez le foie avec ses parties constitutives. Et c'est divisé en zones qui sont redivisées par elles-mêmes. Et alors, vous le voyez peut-être mieux par ici. Vous avez ensuite des marques sur le foie qui arrivent comme cela. Et chaque fois, vous avez un commentaire. Vous avez un commentaire. Alors, il n'y a qu'à se reporter quand le devin a sacrifié un animal, il a le foie devant lui, il le lit, en quelque sorte, il regarde telle partie, cette partie-là, par exemple, il constate telle forme, il va voir son modèle, et il dit, eh bien, ça veut dire telle chose. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect scientifique, c'est-à-dire, je ne parle pas par moi-même, par mon inspiration, mais je cite toujours une autorité d'à côté. Bon. Alors, vous avez des foies qui sont de plus en plus compliquées, des choses dans lesquelles vous entrez dans la complexité la plus grande, naturellement, vous pouvez avoir des, par rapport à tout cela, d'énormes commentaires, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permettent d'aller encore plus loin. Ça, ce sont les foies de consultation, mais il y a toutes les divinations que vous avez à côté. Alors, à côté de ce foie de consultation, eh bien, vous avez aussi les présages que vous avez autour de vous dans la vie, et puis vous avez aussi les présages astrologiques. C'est-à-dire que vous avez toute une gamme au premier millénaire de possibilités de fixer le discours sur l'avenir. Bon. Et du côté de l'Ouest, quelqu'un qui fait ça, et certainement, ça devait exister, puisque c'est condamné et qui vous dit qu'il faut pas le faire. Hein. Alors, à l'Ouest, la divinité, si vous lisez la Bible, vous le verrez par vous-même, c'est une expérience de lecture immédiate. La divinité est sans cesse présente et oppresse l'homme par ses conseils, par ses objurgations, par les choses qu'il faut faire, etc. Bon, alors on a l'impression que l'homme est un petit peu prisonnier du regard de Dieu, mais quand vous regardez du côté de l'Est, les choses ne sont pas mieux, parce que vous êtes dans un monde dans lequel tout est signe, tout a une signification, tout doit être décodé, et il n'y a rien d'indifférent qui existe. Rien d'indifférent. Alors, de part et d'autre, vous êtes chaque fois sous le regard de Dieu avec deux modalités entièrement différentes. C'est pour cela qu'il y a une chose qui est extrêmement intéressante. Dans cette opposition extrêmement nette entre l'Ouest, où Dieu parle par la voix des prophètes, et l'Est, dans lequel il n'y a qu'à regarder le monde dans lequel Dieu s'exprime, tout d'un coup, eh bien, vous avez ce que je vous présente, une tablette de prophétie qui arrive en plein premier millénaire et qui vous raconte, eh bien, la façon dont une divinité particulière s'est adressée à un roi à un moment donné de sa vie pour lui dire certaines choses. C'est-à-dire que on est sûr que la prophétie continue dans l'Est, malgré le monde qui se ferme de plus en plus autour de la divination. La divination qui devient multiple, et la prophétie continue à exister. Tout d'un coup, elle apparaît pour le roi et Saradon. Vous verrez, nous aborderons ça cette année, et c'est quelque chose d'absolument passionnant de voir ce discours tout d'un coup direct qui s'adresse de la divinité
la divinité à son roi. Du côté de l'Ouest, tous les interdits de la Bible, il faut les prendre comme des indices que on n'a pas les textes, mais les pratiques existaient. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, le monde proche-oriental est un, mais il y a des décisions de part et d'autre de faire attention à telle chose et de ne pas faire attention à telle autre. Et c'est ça la grande opposition qu'il y a. Il est très intéressant de voir qu'à l'époque ancienne, quand on a voit les textes à l'époque de Marie, les deux conduites existent l'une par rapport à l'autre. Donc il y a eu un moment, où il y a eu un choix qui a été fait entre les différentes possibilités. Alors, lorsque l'on regarde l'époque amorite, c'est ça qu'on avait vu, c'est lequel on avait terminé l'année dernière, c'est-à-dire entre le 19e et le 18e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la grande époque de Marie, on voit que à Babylone, la divination est déjà très indépendante de la prophétie. Et si vous vous souvenez, je vous avais parlé des gens qui viennent prophétiser à la porte du palais, on ne les fait pas rentrer, on ne leur adresse pas la parole. Ils vont sur la grande place de Babylone, ils prennent à partie bruyamment les autorités, on les laisse parler, manifestement on les respecte, on ne fait pas atteinte à leur intégrité, mais on ne les écoute pas. Sur l'Oronte, c'est-à-dire dans la région qui est les bords de la Méditerranée du côté du nord-ouest de la Syrie, le sud de la Turquie, le nord-ouest de la Syrie. La situation est tout à fait différente. La prophétie tient déjà une place prédominante dans l'acte divinatoire. C'est-à-dire que le prophète, on avait vu les textes, je vous les rappelle, le prophète dit c'est favorable, c'est défavorable, et le devin dit c'est favorable, c'est défavorable, et il y a un prophète à côté qui entonne à ce moment-là un long discours pour commenter et expliquer pourquoi c'est favorable ou pourquoi c'est défavorable. Bon. Et là, vous voyez déjà les choix se faire du côté de l'extrême est à Babylone et du côté de l'extrême ouest en Oronte. L'avantage de Marie, c'est au milieu, juste à la frontière entre la Syrie et l'Irak, il y a équilibre. On fait les deux. On verra qu'il y a tantôt de la divination, tantôt de la prophétie, mais on tient compte des deux. Et on verra quand on tient compte des deux. On ne sait pas tout le temps, mais au milieu, ils n'ont pas encore fait le choix, ils tiennent encore la balance. Et il est évident que la société de Marie représente le véritable héritage, puisque de part et d'autre, on a les deux phénomènes qui existent, mais déjà en déséquilibre l'un par rapport à l'autre. Alors, je vous le rappelle, comment ça se présente. Attendez. L'Est et l'Ouest. Quand on regarde Marie, maintenant, si vous vous souvenez, je vous avais dit, il y a deux périodes dans la documentation de Marie. Marie a été, à un moment donné, sous son propre gouvernement, et ce sont ceux que j'appelle des Bédouins, ce sont des Bédouins qui se sont installés. Et puis, à un autre moment, il y a eu une conquête de Marie qui a été faite par le grand roi Saint-Siadou. Alors, vous voyez où se trouve Marie, tout à fait au milieu. Le roi d'Ekalatoum, Saint-Siadou, est venu s'emparer de Marie. Or, nous savons maintenant d'où vient le roi Saint-Siadou. Voilà quelle a été sa progression historique, vous voyez. Il est monté du pays d'Akkad. Il est monté du pays d'Akkad, parce que le pays d'Akkad, c'est Babylone et Shmouna. C'est absolument ce sont les deux pays frères. Le pays d'Akkad, c'est ça. Alors, avec Agadé, qui est peut-être par là, il venait peut-être d'Agadé. Il est monté, il s'est emparé d'Ekalatoum, puis d'Ashur, puis de Shubat-Enlil, puis il est allé vaincre le roi de Marie dans cette région-là. Il est descendu et il s'est emparé de Marie. En réalité, il faut comprendre que c'est un Acadien. C'est quelqu'un qui vient de l'Est.
Il est un mari, mais c'est quelqu'un qui représente une religiosité de l'Est. Et il est à l'heure actuelle, nous avons suffisamment de textes pour nous rendre compte, qu'il y a une énorme différence entre le moment où il y a des étrangers venus de l'Est à Marie qui commandent et un moment où il y a des gens de Marie qui sont à Marie et qui se commandent à eux-mêmes. Et lorsque vous regardez cette documentation, vous vous rendez compte qu'à l'époque de Samsiadou, du gouvernement de Marie par les autorités qui dépendent de Samsiadou, à Marie, on réagit comme des orientaux, comme des gens qui viennent de l'Est. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux prophéties, on fait de la divination. Et surtout, ce qui est extrêmement important, on ne rend pas le culte à une divinité anthropomorphique, mais on rend le culte à une divinité qui est... on rend le culte à une divinité qui est anthropomorphique. Voilà. C'est ça les choses très importantes à l'époque de Samsiadou. Pas de prophétie, les dieux sont compris comme des super-hommes que l'on représente façon anthropomorphique. Et quand le roi Samsiadou perd le pouvoir et que les Bédouins reviennent à Marie, on se rend compte qu'en réalité, c'est la mentalité de l'Ouest qui apparaît. Vous avez des gens qui pratiquent la prophétie et qui, d'autre part, avec la divination, bien sûr, et qui, d'autre part, adorent non pas des dieux anthropomorphes, mais des dieux sous forme anéchoïde. C'est-à-dire ils sont représentés comme sous la forme de Bétil. Et on avait étudié ensemble la représentation des dieux sous forme non anthropomorphe, comme on l'a dans la Bible, comme on l'a dans le Coran, etc. Alors, Marie représente donc en quelque sorte le moyen terme. L'Ouest est mal documenté, l'Est est complètement parti vers un autre domaine. Il faut trouver le moyen d'y voir un peu plus clair dans cette documentation. Alors, le grand avantage de Marie, c'est que si vous regardez par rapport à tout le Proche-Orient est documenté par Marie, et le lot d'archives que l'on a retrouvé dans le palais met en synchronie de nombreuses documentations, celles qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils les mettent en synchronie. Donc, on a absolument la possibilité de faire des comparaisons entre les sites. On n'est plus au niveau de la fragmentation historique. Et cela est extrêmement important parce que les documents, un document chasse l'autre. On ne sait jamais comment il faut compléter l'un par rapport à l'autre. Et cette synchronie, elle supplée à l'absence des présentations synthétiques. Et ça, c'est un très grand avantage de la documentation gréco-latine par rapport à la nôtre, c'est que, à cette époque-là, les gens ont pris le souci d'écrire des textes de référence. Le texte de référence par excellence, c'est la Constitution d'Athènes par Aristote, dans laquelle vous pouvez savoir comment ça fonctionnait, l'ensemble, et vous avez allusion à une institution, vous vous mettez par rapport à cet ensemble. Bon. Quand vous regardez en Mésopotamie, vous avez une série de titres, d'anecdotes, de choses de ce genre, etc. Vous les prenez les uns par rapport aux autres, vous les mettez ensemble, et à partir de ça, vous essayez de reconstruire un tableau général. Et ça, c'est extraordinairement difficile. Ce travail de l'historien, c'est passionnant, mais c'est extrêmement difficile. Vous n'êtes jamais sûr d'y arriver. Chez les classiques, comme on dit, eh bien, ils ont déjà fait le travail. Et c'est quelque chose qui est extrêmement agréable pour nous. Alors, quels sont ces gens que l'on trouve à Marie? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Eh bien, c'est parce que, une fois que vous avez éliminé les gens qui viennent de l'Est à Marie, c'est-à-dire les gens qui sont venus à la suite de Samsiadou et qui ont apporté des façons de voir du pays d'Akkad, du pays de Babylone, du pays d'Eshnouna.
Eh bien, vous avez des, ce que j'appelle des bédouins, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à bouger de par le Proche-Orient, mais qui, de temps à autre, s'arrêtent. Et quand ils s'arrêtent, eh bien, ils vous font des textes. Et c'est comme ça qu'on peut les connaître. On les connaît par les textes qu'ils ont eux-mêmes rédigés. Et ce que j'appelle la monarchie bédouine, c'est-à-dire celle de Zimrilim, et ce sont des gens qui se sont arrêtés pendant 15 ans quelque part et qui ont rédigé des textes par lesquels on peut savoir à quoi ils croyaient, quelles étaient leurs divinités, comment ils les honoraient, la façon dont ils comprenaient la famille, comprenaient leurs droits, etc. Et c'est quelque chose qui est en complète désharmonie par rapport à la région orientale. Et la présence de ces bédouins est tellement importante que je me suis personnellement refusé à rentrer dans cette dichotomie un peu trop facile que vous trouvez à droite et à gauche. On vous dit nomade et sédentaire, oh, c'est pas dur. C'est deux façons différentes de voir la vie. Chacun a une économie complémentaire de l'autre. Les bédouins produisent telle chose, les sédentaires telle autre chose. Ils se mettent à deux et ils construisent un monde qui les satisfait. Ce n'est pas vrai du tout. Dans la région de Marie, telle qu'on la voit à l'heure actuelle, dans ce grand entre-deux entre l'Est et l'Ouest, eh bien, je définis le sédentaire comme étant un nomade qui s'est arrêté pour un temps. C'est-à-dire que tous les habitants des villes, il n'y a pas d'opposition entre les campagnes et les villes et, d'autre part, les nomades. Il y a en réalité une situation dans laquelle on voit des gens qui bougent et qui s'installent, qui sont chassés par d'autres qui s'installent à leur place et qui ensuite rebougeront à un autre moment. C'est-à-dire qu'on voit que nomades et sédentaires, ce sont deux façons de vivre au cours d'une même vie. Ce ne sont pas des choses qui définissent les gens en eux-mêmes. Ce sont des choses qui sont l'armature même de ce qui est vécu par les gens de l'époque. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que tant qu'on avait la documentation du côté uniquement de l'Est, les gens n'avaient même pas trouvé un nom pour signifier le nomade, ou encore moins le bédouin. Alors, ils s'arrêtent pour un temps, et c'est le moment où, naturellement, il faut les écouter. Alors, beaucoup de caractéristiques apparaissent d'un seul coup, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on a vu, je vous rappelle là ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le culte des bétiles par rapport aux statues. Les statues humaines, c'est un phénomène qui se trouve du côté de l'Est, ou tout à fait en bout de course par le contact avec les Grecs beaucoup plus tard. C'est quelque chose qui est un phénomène tout à fait différent. On a les bétiles. Alors, on a étudié les bétiles tout au long pendant une année, c'est-à-dire que c'est une pierre levée que l'on est allé chercher dans les champs ou qu'on est allé défaire à une falaise et que l'on amène dans une cité pour lui rendre un culte. Et on considère que la statue est quelque chose dont on n'a pas besoin. Le grand texte que nous avons, c'est celui où le roi Zimrilim, qui fait partie de cette monarchie bédouine, revenant dans sa capitale, envoie une lettre en disant « Nous avons à faire les sacrifices, nous n'avons pas de bétil, comment allons-nous faire ?» On sait, par la documentation antérieure, que la ville est remplie de statues. Donc, ça veut donc dire que les statues ne servaient à rien pour le culte qui avait à leur rendre. Il fallait absolument faire venir les bétiles. Quand on regarde cela, les bétiles, c'est un aspect extraordinairement important de la documentation archéologique du Proche-Orient. On croyait que c'était un phénomène du premier millénaire, un phénomène extrêmement récent. Et petit à petit, on les a retrouvés à l'époque du deuxième millénaire, on les a retrouvés maintenant à l'époque du troisième millénaire à Aymar, et on a en plus le nom même qui les désigne, c'est-à-dire qu'on a enfin le nom qui les désigne, c'est-à-dire qu'on a non seulement
la chose, mais on a aussi le nom. Alors, par rapport à ces méthyls, eh bien, il y a aussi le phénomène de la divination. Et c'est ça que nous allons voir. Alors, la semaine dernière, nous avions représenté, nous étions arrivés à des conclusions que je vous rappelle rapidement. La prophétie n'est pas une chose indépendante en elle-même, mais elle représente l'amplification de la divination. Et je vous avais dit qu'il y avait un terme particulier, c'était celui de terme de apilum, traduit par répondant, ce qui est un terme extrêmement mauvais, parce qu'en français, un répondant, c'est quelque chose, qui existe dans le monde juridique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité dont on parle. Le répondant, c'est celui qui prête sa bouche à la divinité et qui, en réalité, traduit. L'apilum, c'est celui qui parle après le devin et qui donne un sens dans un discours articulé au verdict que le devin a donné. Bon. Le deuxième point auquel on était arrivé, c'est que le devin représente le monde privé d'un spécialiste. Les devins se créent petit à petit leur spécialité par l'enseignement, par les écoles auxquelles ils appartiennent, et il faut apprendre. Il faut apprendre à lire un foie. On ne peut pas, dans la mesure où se constitue une science, il faut en apprendre les rudiments. Donc il faut apprendre à lire le foie. On ne peut pas le regarder sans une connaissance préalable. Alors, le devin représente le monde privé du spécialiste, alors que le prophète, en réalité, appartient au monde du temple. Et on voit que la prophétie est un phénomène du temple, alors que le devin, ça se produit, est quelqu'un qui se produit dans toutes les activités humaines où on a besoin de savoir ce qui va se passer. Le roi fait prendre des présages, mais les particuliers en font prendre aussi. Chacun qui se sent un petit peu motivé par le désir de savoir ce que va devenir sa vie ou ses affaires s'adresse à un devin. Alors, la conséquence de cela, c'est que tout le monde dans la société n'est pas capable d'émarger aux deux. Vous avez ainsi la catégorie, si vous prenez l'opposition homme-femme, vous avez des prophétesses. Parce que la société du temple est mixte. Et à ce moment-là, dans la société du temple, vous avez des gens qui sont capables de prédire l'avenir en étant des hommes ou en étant des femmes. Et vous avez le terme de apilum et apiltum, c'est-à-dire le prophète ou la prophétesse, celui qui prête sa voix ou celle qui prête sa voix à la divinité. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un phénomène extrêmement intéressant. En revanche, si vous me permettez cette expression, parce que je n'en trouve pas d'autre, il n'y a pas de devineresse. Il n'y a pas de devineresse. C'est-à-dire que le devin est toujours, toujours un homme. Il n'y a aucun exemple de femme capable d'exercer le métier de devin. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas explicable par la société de l'époque, parce qu'on voit des femmes faire des affaires, diriger l'État. Elles ne dirigent pas l'armée, c'est vrai, mais, parce que ce n'est pas un métier de femme. Mais la reine, quand le roi s'en va, c'est la reine qui prend le pouvoir. C'est elle qui prend les décisions, qui reçoit les ambassadeurs, qui leur parle, qui prend des décisions, qui hypocritement se dit « Monseigneur n'est pas là, donc je ne peux pas vous répondre », mais en réalité, si elle a envie de répondre, elle répond. Et on a les cas où elle prend les décisions par elle-même. C'est pas bon. La femme hérite, la femme est très riche, elle peut avoir une puissance économique très importante, elle peut faire des affaires, elle peut monter des caravanes. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très bien. Pourquoi ne peut-elle pas être un devin? Eh bien, je pense parce que cet exercice est très lourdement sous le signe du tabou. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Si vous cherchez une autre explication, il n'y en a pas.
Alors, pourquoi est-ce qu'elle se suicide de tabou? Eh bien, c'est parce que il faut que le devin soit sans cesse sous le signe de la, sous l'indice de la pureté opérationnelle. Il faut qu'il puisse, à tout moment, avoir contact avec le monde du sacré, alors qu'on le sait par les textes de l'époque, la femme, à un moment donné, est obligée de quitter la maison parce qu'elle est, comme on dit, en état d'impureté. Et c'est extrêmement intéressant parce que l'on voit à ce moment-là apparaître à la haute époque exactement l'application des tabous qu'on a dans le Lévitique, où on dit à un certain moment donné, la femme ne peut pas monter au temple. Et je suis sûr que c'est la seule façon, enfin, moi je n'en vois pas d'autre, c'est la seule façon d'expliquer pourquoi il n'y a pas de femme devin, c'est parce qu'on doit toujours pouvoir avoir accès au devin pour pouvoir prédire l'avenir. Si vous mettez le devin et la compagne, vous me direz, bon, ben, il n'y a qu'à prendre un autre devin s'il y a une devineresse qui est en état d'impureté. Oui, mais si vous avez un devin qui accompagne l'armée, et le devin marche à côté du général, et il a le même rang que lui, il a les mêmes rations que lui, et c'est lui qui dit, si on peut attaquer, après, le général attaque en fonction de son savoir militaire. Bon. Si vous avez une femme à côté, et qu'à un moment donné, on vous dit, ah, ce n'est pas possible, elle ne peut pas répondre à la question que vous avez posée, c'est la catastrophe. Donc, à ce moment-là, eh bien, on met toujours un devin mâle. Et alors, y avait-il des exceptions avec des devins femmes? Eh bien, s'il y en a, il n'y en a pas eu beaucoup, et en tout cas, ça n'a pas apparu dans la documentation. C'est pour ça que, et en tout cas, même dans les textes anciens qui vous font les grandes énumérations de métiers, vous avez le prophète et la prophétesse, mais vous n'avez jamais le devin et la devineresse. Jamais. Alors, ça, c'est quelque chose qui est absolument sûr. Le devin est sous le signe du tabou et il faut absolument prévoir que c'est quelqu'un qui est toujours disponible, qui doit être à côté du général. Et puis, il y a d'autres choses dans la conduite de l'État qui peuvent apparaître comme ça. C'est une rencontre absolument spectaculaire, celle entre le Lévitique et une lettre de Marie, où quand la princesse quitte Alep pour aller épouser le roi de Marie, son père lui dit où est-ce qu'elle va habiter? Je sais que les dieux sont puissants dans le palais de Marie. Où est-ce qu'elle va habiter? On lui dit, oh, elle ira habiter chez elle 5 jours, 6 jours par mois. À ce moment-là, il n'est pas très difficile de faire l'exégèse. Alors, ce que je voudrais... Voilà où on était arrivé l'année dernière. Bon. Ce que je voudrais maintenant faire, c'est terminer de regarder ce monde de la prophétie tel que Marie nous la documente, avec naturellement toujours un petit peu en arrière-plan les comparaisons avec la Bible. Vous savez qu'avec Thomas Remer, nous avons engagé toute une série de comparaisons dans des colloques permettant de voir un petit peu les antécédents à Marie et les avatars du côté de la Bible. Vous savez que cette année, je ne sais pas si Thomas Remer vous en a parlé, mais nous affrontons dans cette même salle à un problème extraordinairement compliqué qui est comment devient-on prophète? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour être un prophète? Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais qui permet de voir la documentation d'une façon nouvelle et de ne pas répéter chaque fois les mêmes choses sur les prophètes, amis des rois ou ennemis des rois, selon qu'on est à Marie ou selon qu'on est dans la Bible. Alors, la chose que je voudrais voir, tout particulièrement avec vous, c'est une question très importante, qui est l'actualité des prophéties, c'est-à-dire prophétie et actualité. C'est-à-dire de savoir, est-ce que la prophétie est intemporelle, ou bien est-ce que chaque fois qu'il y a une prophétie, on l'écoute? Et vous savez que l'exercice du pouvoir consiste justement à savoir ne pas écouter. Il y a des choses qu'il ne faut pas savoir entendre. Si vous écoutez tout le monde, c'est de la démagogie.
Et pour un roi, ce n'est pas recommandé. Alors, vous allez voir qu'il y a des moments où on fait attention à la prophétie, et des moments... Alors, à Babylone, jamais. Bon, mais à Marie, il y a des moments où on fait attention à la prophétie, et puis des moments où, on se dit que peut-être le prophète, il y a des raisons de ne pas trop, le croire. Bon, ça, c'est un premier point. Mais il n'y a pas que les prophéties dans les temples. Il y a quelque chose de beaucoup plus sournois. Tout être est obligé, à un moment donné, dans sa journée, de s'endormir. Et quand il dort, il rêve. Et quand il rêve, eh bien, les dieux peuvent lui parler, ou il peut croire que les dieux lui ont parlé, ou il peut faire semblant que les dieux lui ont parlé. Et à ce moment-là, le rêve représente une forme particulière de la divination. Et on va trouver le roi, on va trouver la reine, on va trouver une grande prêtresse, etc. Et on lui dit, cette nuit, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, tel Dieu m'est apparu et m'a dit quelque chose. Alors naturellement, ils ne rêvent que de divinités qui leur parlent de choses politiques. Ça, c'est un petit peu le jeu. Bon. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que en Mésopotamie, les gens ne rêvent que dans les sociétés où on fait attention à la prophétie. Alors, c'est que les deux phénomènes marchent ensemble. Parce que vous n'allez pas nous faire croire que pendant 3 millénaires, les gens n'ont pas rêvé. J'imagine qu'ils pouvaient ne pas se souvenir de leurs rêves. Il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Mais tout le monde rêve au moins une fois. Et en tout cas, il y a des gens qui s'en souviennent et des gens qui viennent en parler. Et alors, vous allez voir que là de même, il y a des rêves qui arrivent bien, des rêves qui arrivent mal, et puis il y a des rêves auxquels on fait attention, et puis des rêves auxquels on ne fait pas attention. Alors ça va être la deuxième partie de ce que nous allons voir. La première partie, c'est l'actualité des prophéties, et la deuxième, c'est la pratique des rêves. C'est-à-dire, de quoi rêve-t-il ? Et alors, naturellement, une chose que je me refuserais de faire, c'est une explication freudienne des choses. Quand le roi, par exemple, rêve que la reine risque d'être raptée par des bédouins dans le désert, je prendrais cela avec sérieux et pas du tout comme un désir inassouvi de se débarrasser de son épouse. N'attendez pas de moi des fantaisies, je vous ai déjà dit que je prendrai les choses avec le plus grand des sérieux, c'est-à-dire que je considère que les gens, quand ils parlent de choses auxquelles ils attachent réellement de l'importance. Il y a un danger que la reine, éventuellement, puisse être raptée par des bédouins dans le désert. Ça, c'est une chose, etc. Mais, en deuxième partie, je voudrais surtout regarder dont je vous avais parlé tout à l'heure, comment tout d'un coup, dans l'Est, réapparaissent des prophéties en plein milieu divinatoire. Et c'est le moment justement où les rêves réapparaissent. Tout d'un coup, alors qu'on ne fait que regarder si les jours sont fastes ou sont néfastes, dans quelle est la position des astres, est-ce qu'il va y avoir une éclipse, est-ce qu'on peut prévoir l'éclipse, etc. Tout d'un coup, il y a une divinité qui se met à prophétiser. Et on note tout ce qu'elle a raconté, etc. Et bon, alors, pour cela, je demanderai naturellement l'appui d'un de mes jeunes collègues qui est plus versé en néo-assyrien que moi. Et on essaiera de voir, à nous deux, si on arrive à vous donner une explication de ce phénomène. Voilà ce que je peux vous proposer pour cette année.